je suis très content d'être avec vous, même si je suis un peu frustré de ne pas être à Nancy. C'est ma deuxième intervention dans le cadre des conférences des archives Poincaré. La première date d'une autre époque. Il est difficile d'infliger une conférence en bonne et due forme via ce médium. Et donc, ce que je vais faire, c'est peut-être simplement essayer de présenter un aspect important de ce que j'ai essayé de faire dans le livre « La couleur du goût, psychologie et esthétique au siècle de Hume » et qui concerne l'approche épistémologique du goût esthétique. Et j'espère que nous pourrons avoir plus de temps pour la discussion. Comme je procède souvent, en fait, c'est ma façon de faire, j'essaie d'écrire une histoire de la philosophie qui ne soit pas une histoire d'un ou deux systèmes philosophiques, mais qui présente un problème ou un débat à travers toute une époque, en fait, parfois sur une durée longue. Alors là, c'est à peu près un siècle. C'est comme ça que je procède, parce que j'envisage la philosophie comme une discussion, c'est très, très, très banal ce que je dis, mais comme une discussion avec les autres, et notamment les grands anciens. Et donc, cette approche historique, elle n'est pas centrée sur un système, elle est centrée sur un débat, sur un problème. En l'occurrence, dans le livre, c'est le problème de la règle du goût. Et le fait que ce soit centré sur un problème, ça me permet, de manière peut-être très française, de confondre délibérément histoire de la philosophie et philosophie. Voilà. Et également, une chose dont je dois vous avertir, pour si vous n'avez pas eu le temps de regarder le livre, c'est que je n'hésite pas du tout à attaquer les questions à partir de la philosophie contemporaine. Je ne vois pas de problèmes de méthode majeurs à partir de de l'état actuel des discussions pour éclairer des débats passés. Du moment où je pense qu'on le fait avec prudence et en voyant bien ce qui appartient aux auteurs classiques et ce qui nous appartient, on le fait sans risque. J'espère que ça clarifie des questions. Donc, le problème de la règle du goût, tel qu'il est abordé dans le livre, c'est celui qui est formulé par Hume dans l'essai du même qui porte ce titre. Donc, pour Hume, il s'agit d'un problème à la fois théorique, il concerne à la fois l'explication des phénomènes et puis aussi qui a évidemment une dimension normative. Il s'agit d'abord d'expliquer comment on peut concilier deux faits, le fait de la variété des goûts d'une part et d'autre part le fait de notre capacité à hiérarchiser, à arbitrer les goûts. Donc ça c'est pour le versant explicatif, mais il y a évidemment une dimension normative puisque le problème de la règle du goût, c'est aussi un problème tout à fait pratique. Il s'agit de savoir comment on peut déterminer dans telle ou telle circonstance d'une évaluation, quel est le bon goût, comment on détermine le bon goût, ou un goût en tout cas meilleur qu'un autre. Alors, j'ai étudié ce problème dans Hume, mais aussi, c'est ça ce qui m'a intéressé le plus en fait dans le livre, autour de Hume, avant Hume et après Hume, c'est-à-dire aussi bien la manière dont la question était posée depuis la fin du XVIIe siècle, que les réponses ou les réponses ou les suites qui ont été données aux propos de Hume, bon, dans un périmètre qui se borne au fond au contexte anglais et écossais. Ce qui m'a frappé d'emblée, quand je m'étais lancé dans ce projet, et je suis très heureux que ça soit traduit dans les,
dans les recensions qui ont été faites du livre jusqu'à présent, c'est le caractère épistémologique dominant du problème, la façon dont les auteurs l'abordent. C'est vrai que nous avons tendance, dans les questions d'esthétique théorique, à aller droit aux questions métaphysiques, parce qu'effectivement, à la sémantique du jugement, des évaluations esthétiques, du jugement esthétique en particulier, doivent correspondre des objets. Et donc, on a tendance à aborder aussi les auteurs à tradition comme s'ils s'étaient posés ces problèmes. Alors, certains d'entre eux se les sont vraiment posés. Hein, depuis Platon, c'est une question absolument centrale. Mais ce qui est tout à fait remarquable au XVIIIe siècle, c'est que le travail philosophique, l'analyse philosophique qui est conduite, elle est centrée plutôt d'abord sur l'épistémologie des évaluations, alors des jugements esthétiques, mais aussi des réponses affectives, parce qu'il y a toute une palette, en fait, de l'évaluation esthétique, ce que dans le livre j'appelle la gradualité du goût, à quoi j'accorde beaucoup d'importance, le fait que le goût peut être plus ou moins instinctif, plus ou moins savant, que je parlais de la gradualité du goût comme un aspect important de la phénoménologie, en fait, des évaluations esthétiques. Et une bonne épistémologie de l'évaluation esthétique doit conserver cette gradualité, elle doit en rendre compte. Les termes des débats dans l'esthétique théorique reposent souvent sur, évidemment, des clivages, des oppositions entre des approches subjectivistes et antiréalistes d'une part, cognitivistes et réalistes d'autre part, et toutes sortes de combinaisons intermédiaires et de positions plus nuancées, qui s'appuient, en fait, qui rendent compte de manière descriptive d'une partie de ce spectre qui correspond à ce que j'appelle la gradualité du goût. Et donc, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai été vraiment très content de découvrir chez un auteur qui est bien connu de notre collègue Roger Puivet, dont je salue la présence ce soir, à savoir Thomas Reed. On a souvent été chercher dans Thomas Reed le tenant d'un réalisme et d'un cognitivisme esthétique extrême. Et en fait, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'en réalité, la façon dont il aborde la question repose d'abord sur la prise en compte de cette gradualité. Ainsi, loin de rejeter comme complètement inadéquate la théorie non cognitiviste ou anticognitiviste de Hutcheson. L'intervention de Hutcheson c'est quelque chose de très controversé. Donc il y a des gens qui contestent cette lecture-là, mais je vais laisser ça de côté. Donc loin de rejeter, en fait, cette théorie comme complètement inadéquate, alors qu'elle est à l'opposé, au fond, de ce qu'il veut montrer, Reed a intégré en quelque sorte la théorie de Hutcheson, c'est-à-dire qu'il a estimé que ce que Hutcheson avait décrit, c'était la partie la moins rationnelle, si l'on peut dire, du spectre du goût esthétique. Donc, la théorie de Hutcheson rend bien compte de nos réponses esthétiques immédiate et non rationalisée, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'ils ne se justifient, qu'ils ne font pas l'effort de la justification. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que qu'on a besoin de quelque chose d'un peu plus complexe que ce que l'on propose d'ordinaire quand on essaie de rendre compte des jugements évaluatifs esthétiques. Donc, la question, c'est celle de la justification des préférences esthétiques. Mais cette question, évidemment, elle est triviale, elle est complètement triviale si on entend par là une justification simplement subjective. C'est-à-dire, s'il s'agissait de savoir simplement si chacun
peut, dans sa propre perspective, proposer des raisons de son appréciation esthétique dans tel ou tel contexte, la réponse est évidemment oui. Et ça ne pose pas tellement de problèmes. La question devient beaucoup plus intéressante quand on donne au terme justification un sens plus fort, c'est-à-dire quand il est question de savoir si on peut fournir des justifications objectives, au moins au sens de raisons au pluriel, intersubjectivement, qui soient valables de manière intersubjective. C'est ça la véritable question. Comment peut-on et de quelle manière justifier ces préférences esthétiques? Cela s'entend comme la question de savoir si on peut, au fond, expliquer devant autrui par des raisons, donc en un sens particulier du terme explication sur lequel enfin, j'essaie d'expliquer dans le livre, expliquer devant autrui par des raisons son sentiment en fait. Et il y a évidemment la question de savoir par quoi ces raisons sont-elles fournies. Alors, si on adoptait une version extrêmement rudimentaire du réalisme des valeurs esthétiques, on aurait une réponse tout simple à cette question, à savoir que ce qui fournirait ces raisons de l'évaluation esthétique, ça serait tout simplement les catégories esthétiques elles-mêmes, au fond, c'est-à-dire plus précisément le fait que l'objet apprécié exemplifie la valeur qui est évoquée dans le jugement. Et pour dire les choses de manière la plus simple qui soit, dans ce cas-là, ce qui justifierait que je juge X comique, c'est simplement le fait que X est comique. Donc ça, c'est la façon la plus rudimentaire de procéder. Et ce n'est pas celle, elle existe dans la discussion esthétique au XVIIIe siècle, on la rencontre, hein, mais ce n'est pas celle à laquelle je me suis le plus intéressé parce que, évidemment, je prends parti dans le livre pour une toute autre approche qui considère les catégories esthétiques non pas comme des catégories ontologiques, mais comme des catégories épistémologiques, des types d'évaluation. Que ces évaluations prennent la forme de jugements explicites ou consistent en des émotions. Dans l'étude du débat du XVIIIe siècle, j'ai donné beaucoup d'importance à l'examen de la palette des émotions évaluatives. Et notamment, des émotions et des sentiments, et notamment à l'amour et à l'admiration, qui sont tout à fait typiques du style de platonisme ou de néoplatonisme esthétique qu'on trouve encore à cette époque. Donc, je ne vais pas développer ce point ce soir, mais l'épistémologie des évaluations esthétiques pour ces auteurs, ce n'est pas simplement la question. De la logique et de la discipline, de la structure, des jugements en bonne et due forme, c'est aussi la question du rôle de certains sentiments, de certaines émotions, beaucoup plus général. Je vais simplement maintenant dire quelques mots des deux voies. Qu'on peut emprunter, qu'ont emprunté les auteurs du XVIIIe siècle à ce sujet, ou plutôt des trois voies. Une voie humienne, qui à sa manière est une approche pas seulement épistémologique, mais fortement métaphysique. Simplement, pour Hume, la métaphysique, ça consiste dans la psychologie en réalité. Une voie ridienne, la voie du réalisme esthétique, et puis je finirai de manière par une sorte de compromis qui me paraît tout à fait pertinent en vous disant quelques mots, un peu plus que quelques mots d'ailleurs si j'ai le temps, de l'épistémologie d'Alexander Gerard, qui est un auteur qui malheureusement est négligé, voire inconnu, alors qu'il a apporté une contribution, je crois, majeure
au problème, la compréhension et la solution du problème de la règle du goût. Donc, vous excuserez le caractère très scolaire de ma présentation en trois petites parties. Donc, simplement pour Hume, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il y a au fond deux discours dans Hume. Il y a ce qu'on lit dans l'appendice sur le sentiment moral de l'enquête sur l'entendement, l'enquête sur les principes de la morale, ce qu'on lit dans le traité de la nature humaine, et puis dans certains essais de Hume comme l'essai sur le sceptique, à savoir une théorie radicalement sentimentaliste et même subjectiviste de la valeur, y compris de la valeur esthétique. C'est ce qu'on pourrait appeler la métaphysique de Hume. En fait, c'est sa psychologie. C'est-à-dire, au fond, les évaluations esthétiques sont des expressions de sentiments d'un genre particulier, différents d'ailleurs des sentiments qu'expriment les jugements évaluatifs, moraux ou prudentiels. Et de ce point de vue-là, comme il est dit dans l'essai de la règle du goût, eh bien, on n'est pas capable, immédiatement en tout cas, ou facilement, de résoudre le problème de la règle du goût, tout simplement parce qu'on n'est pas capable, dans le cadre de cette théorie, immédiatement et facilement, de rendre compte de la manière dont un goût peut être meilleur qu'un autre, tout simplement parce qu'un sentiment ne représente rien. Enfin, Hume a des arguments conceptuels qui sont assez bien connus de ce type, il y a toute une panoplie d'arguments pour défendre cette thèse. Et puis il y a un deuxième discours qu'on trouve dans l'essai sur la règle du goût, mais aussi dans d'autres textes, qui prend ses distances avec le premier. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que dans l'essai sur la règle du goût, Hume fait référence à son propre subjectivisme comme étant la doctrine d'un autre. Il dit qu'il y a une position qui est celle du sceptique, et qu'il faut l'abandonner si on veut rendre compte correctement des jugements critiques, ce qu'il appelle la critique, parce que je n'arrête pas de parler d'esthétique, mais le terme de l'époque, dans cette langue-là en tout cas, comme en français à l'époque, c'est la critique, plutôt que l'esthétique. Alors, ce que veut dire Hume, c'est qu'il y a une caractéristique phénoménologique au fond, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui apparaît à la simple description de ce que nous faisons quand nous évaluons esthétiquement des œuvres littéraires, puisque c'est souvent des exemples littéraires que prend Hume. Cette caractéristique, c'est l'objectivisme, une tendance objectiviste, qui est double. D'une part, nous attribuons de la valeur aux objets, ça c'est une sorte d'objectivation de la valeur, et puis d'autre part, nous avons des considérations objectivantes à propos des raisons de notre évaluation. C'est-à-dire que nous estimons qu'il y a dans la structure des objets, des artefacts notamment, littéraires par exemple, des traits qui sont responsables de nos réponses évaluatives et qui, en un sens, permettent de les justifier. Donc le jugement, l'évaluation esthétique est spontanément et congénitalement objectiviste. De deux manières, ce sont deux choses très très différentes. D'une part parce qu'il y a attribution de valeur esthétique aux objets eux-mêmes, comme si ces valeurs étaient indépendantes de nos préférences subjectives particulières. Et puis d'autre part, parce que le jugement ou l'évaluation est susceptible de se donner des justifications qu'il emprunte aux qualités des objets eux-mêmes. Et donc, ça, c'est une caractéristique dont, à première vue, la position subjectiviste est incapable de rendre compte. C'est pour ça que Hume, dans la règle du goût, fait référence à sa propre philosophie comme n'étant pas la bonne philosophie pour prendre compte de ce phénomène. Mais évidemment, c'est une formulation simpliste de sa propre philosophie, parce qu'en réalité, elle a tout le potentiel pour en rendre compte. Il y a moyen dans la théorie de Hume de rendre compte du caractère plus ou moins raisonnable d'une évaluation de manière indirecte, en fait, par le recours aux conditions d'information de l'évaluation.
Donc, je ne vais pas développer ce point. C'est la question du point de vue approprié pour évaluer une tragédie, par exemple. C'est la question des juges experts. Je vais laisser ça de côté. Je voulais juste signaler la manière dont le problème se posait dans Hume. Le deuxième point sur lequel je vais insister, en tout cas dire quelques mots également, c'est la réponse ridienne. Alors, ce qui est remarquable dans la réponse de Thomas Ried à Hume, et qui nous intéresse pour la question de l'épistémologie des évaluations esthétiques, c'est que Ried a lu Hume, a tendance à lire Hume, comme s'il n'y avait dans Hume que le premier discours dont j'ai parlé à l'instant. C'est-à-dire comme si Hume était simplement ce philosophe radicalement sentimentaliste et même subjectiviste qui considère que l'évaluation esthétique est réductible au sentiment ou à son expression et que les sentiments, d'eux-mêmes, n'ont aucun contenu intentionnel par eux-mêmes et ne disent rien du monde, de ce qui est, etc. et ne peuvent pas être raisonnables ou déraisonnables à cet égard. Donc c'est comme ça que Ried lit Hume. Du coup, il insiste sur le fait que Hume est incapable de rendre compte de l'évaluation esthétique de manière correcte. Mais Hume, lisant Ried, commentant sa propre philosophie, ne pouvait ou n'aurait pu se dire qu'une seule chose, il a raison. Seulement, ce n'est pas ma philosophie. Il a raison, c'est-à-dire qu'effectivement, si j'en étais resté là, ben, j'aurais pas résolu le problème. Et donc, ce que Ried a complètement négligé dans la théorie de Hume, c'est aux côtés du rôle du sentiment, le rôle du jugement. Le rôle du jugement, toute la dimension cognitive, en fait, alors non pas de l'évaluation esthétique elle-même, mais de ses conditions, en fait. La façon dont le contexte de l'évaluation, le contexte dans lequel surgit le sentiment, suppose une information, et une information fine et détaillée. En fait, c'est la qualité de l'information qui va faire la qualité du jugement, ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une sorte de considérations normatives épistémiques, en fait, sur les conditions de l'évaluation, pour qu'une évaluation puisse être plus ou moins raisonnable. Et c'est là que se situe dans le bouquin, dans mon livre, La couleur du goût, quelque chose à quoi je tiens beaucoup, bon, peut-être que j'exagère, c'est l'interprétation que je donne de l'expression délicatesse du goût. La délicatesse du goût, très souvent, elle est comprise par les commentateurs comme une qualité, une vertu du goût. Mais si c'était cela, il y aurait évidemment une pétition de principe dans la thèse selon laquelle le goût qui est meilleur qu'un autre, c'est le goût plus délicat. Ou en tout cas, ce serait très peu explicatif. Et donc, moi, mon interprétation, j'essaie de l'argumenter, c'est que la délicatesse du goût n'est pas une qualité. La délicatesse n'est pas une qualité ou une vertu du goût. C'est une qualité des conditions d'information dans lesquelles se forme, enfin s'exerce le goût, en fait, se forme l'évaluation. Donc, en fait, la délicatesse, c'est une qualité ou une vertu du jugement et non pas du goût. Si on entend par goût, sentiment. Évidemment, après, si on adopte, comme le fait Ried, une conception du goût à deux composants, composante affective et cognitive, on peut parler de la délicatesse du goût comme une qualité de l'ensemble, évidemment. En tout cas, avoir le goût délicat, c'est voir dans le détail des objets des choses que d'autres ne voient pas et qui, justement, nous permettent d'avoir des réponses affectives ou évaluatives, en tout cas, plus pertinente.
Donc, si Reed avait davantage prêté attention à cet aspect, il aurait sans doute vu que comment dire, son opposition à Hume porte sur la métaphysique des évaluations esthétiques. Mais en ce qui concerne l'épistémologie des évaluations esthétiques, l'écart n'est pas si considérable. Donc, j'en viens maintenant. Il y aurait énormément de choses à dire à propos de Reed. Peut-être qu'on reviendra dans la discussion sur Reed. J'ai déjà signalé un thème auquel je donne beaucoup d'importance, c'est-à-dire la distinction entre le goût rationnel et le goût animal dans Thomas Reed. Et j'explique que cette distinction, en fait, c'est une polarité sur un continuum, c'est-à-dire que le goût est plus ou moins rationnel et plus ou moins animal. Qu'est-ce qu'un goût animal? C'est un goût qui perçoit le je ne sais quoi qui plaît, en fait, sans savoir de quoi il s'agit. C'est le goût dont parle Hutcheson, en fait. Le goût animal, ce sont des réponses affectives qui ne s'accompagnent pas d'une appréhension fine et détaillée de ce qui les suscite. Donc c'est un goût qui est peu informé. Et le goût rationnel, c'est le goût qui est capable de fournir, de s'accompagner de raisons, en fait, de l'appréciation, qui est capable de se justifier, qui sait ce qui lui plaît et non pas simplement que quelque chose lui plaît. Alors ça, c'est une distinction très importante, mais Reed la conçoit comme quelque chose de graduel, c'est matière de degré. Ce qui fait que les théories à la Hutcheson ou à la Hume ne sont pas non pertinentes. Elles sont pertinentes pour une partie du spectre, en fait. Et quand on arrive vers le plus rationnel, évidemment, là, il faut autre chose. En tout cas, il faut des compléments qu'apporte Reed. Donc, j'ai tendance à essayer de mettre tous ces gens d'accord. Et heureusement, je ne suis pas le premier à le faire, parce qu'il y a cet auteur qui est un excellent philosophe dans le détail, alors peut-être pas dans l'ensemble, ce qui fait c'est un mineur, un auteur mineur, à savoir Alexander Gerrard. Donc là, comment dire, ce qu'a vu Gerrard, c'est que le problème, son intuition, je trouve absolument formidable, c'est que le problème de la règle du goût doit être posé en termes dynamiques, c'est-à-dire qu'il faut considérer la différence de rythme de révision entre les sentiments et les opinions, les croyances, les jugements, pour comprendre comment il se fait qu'il y ait à la fois diversité des sentiments et capacité à hiérarchiser et à arbitrer les goûts. Ce qu'a fait Gerrard, c'est qu'il a traduit le problème de la règle du goût dans les termes d'une psychologie attentive aux temporalités hétérogènes du sentiment et des états, des états affectifs plutôt, et des états cognitifs. Je ne l'ai pas dit, mais il y a toute une polémique très intéressante sur le lexique entre tous ces auteurs, notamment autour de l'usage du terme sentiment. Ma conférence est en français, donc j'ai parlé de sentiment, mais en fait, si j'avais dû la faire en anglais, j'aurais utilisé deux mots différents, tantôt feeling et tantôt sentiment, et ces deux mots n'ont pas du tout le même sens, parce qu'il y en a un, feeling, qui est très peu, enfin, qui est un peu équivoque, mais pas trop. Et il y en a un sentiment qui est extrêmement équivoque, parce que dans l'anglais de l'époque comme dans le français de l'époque, sentiment ou sentiment, ça peut désigner aussi bien un état affectif qu'un jugement en bonne et due forme, au sens où on donne son sentiment, on donne son opinion, son avis, on dit ce qu'on pense, etc. Ça a aussi ce sens-là, hein. Cette ambiguïté, elle est un petit peu présente dans feeling aussi, en tout cas dans le vocabulaire. To feel that, ça peut vouloir dire, au fond, pas seulement ressentir, mais aussi penser que, hein,
Donc, il y a bien une sorte d'ambiguïté également, mais elle est beaucoup moins sensible. Je dis ça parce que, au fond, c'est une observation de Reed. Hein. Reed dit que, qu'il est d'accord, au fond, avec l'idée selon laquelle le goût est affaire de sentiment, à condition qu'on donne au terme sentiment son sens le plus riche. Il y a quelque chose qui englobe l'affectif et le cognitif. Ce qui fait qu'un sentimentalisme raisonnable est possible pour Reed. C'est une question d'ailleurs de savoir si ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-sentimentalisme, le sentimentalisme raisonnable, dont je dirais peut-être un petit mot à la fin, si on a le temps, est encore du sentimentalisme, au sens classique du terme, pour ces raisons-là. Ce sur quoi a insisté Gerard, c'est l'écart des temporalités entre les grands types de processus mentaux. À ma connaissance, c'est un des premiers auteurs à utiliser cette expression mental processes. C'est extrêmement intéressant. Il parle de processus mentaux pour parler des opinions et des émotions. Je vais peut-être essayer tout simplement de vous montrer ça à partir de quelques extraits de Gerard, ne serait-ce que pour varier un peu ma pédagogie, sinon tout ça va finir par être extrêmement ennuyeux. Absolument pas du tout, ennuyeux. Bon, voilà. Donc, quelques extraits de Gerard. Le premier montre simplement que Gerard accepte, enfin, de la distinction, de la polarité entre le goût animal et le goût rationnel. C'est-à-dire que l'évaluation esthétique, ça consiste pas simplement à sentir que cela nous plaît, nous sommes capables, au moins dans certaines circonstances, de percevoir ce qui nous plaît en particulier. Et le point de vue de Gerard est évidemment très normatif, il considère qu'une bonne évaluation esthétique, c'est l'évaluation qui est plus rationnelle qu'animale. Mais néanmoins, le plaisir et d'autres émotions en sont une composante très importante. Cette distinction des goûts rend compte de la variété des tempéraments esthétiques. Chez l'un, écrit-il, c'est l'acuité des sens, chez l'autre, c'est l'exactitude du jugement qui est l'ingrédient dominant. Tous deux arbitreront correctement, mais ils sont guidés par des lumières différentes. L'un ressent ce qui plaît ou déplaît. L'autre sait ce qui devrait inspirer la satisfaction ou le dégoût. Donc en fait, on peut avoir, dans la mesure où il y a ce spectre, cette gradualité d'élévation esthétique, on peut avoir des personnalités esthétiques di différentes et au fond, deux juges, enfin deux évaluateurs peuvent se rejoindre dans l'appréciation, la même appréciation, en tout cas du point de vue de la valeur, de l'estimation d'un objet. L'un étant guidé plus par le sentiment et l'autre plus par le jugement. Donc, ce constat de l'hétérogénéité de la dynamique des affects et de la dynamique des états cognitifs conduit Gerard à faire son deuil d'une solution au problème de la règle du goût qui serait une conciliation des goûts, une méthode de conciliation des goûts. En fait, il y a quelque chose d'impossible dans le projet de concilier ou de faire coïncider les goûts de manière interpersonnelle ou même intrapersonnelle, tout simplement parce que là, il y a des raisons psychologiques à ça, qui étaient des limites psychologiques. Les sentiments ne répondent pas aux opinions, aux croyances, à la façon dont une opinion répond à une raison ou à une autre opinion. Donc, voici ce qu'il écrit à ce sujet. Une règle du goût n'est pas quelque chose qui permette de concilier tous les goûts et de les faire coïncider. Ce n'est que quelque chose qui permet de déterminer le meilleur parmi des goûts variés qui sont en conflit et incapables de coïncider parfaitement. Donc, ça, c'est très important puisque ça veut dire que Gerard, en fait, rejette l'idée humienne d'une sorte de sens commun esthétique. Où nous pourrions être d'accord, pleinement d'accord dans les évaluations. Pour lui, ce n'est pas important en fait, tout simplement parce que c'est pas vraiment accessible.
Et donc, on peut se mettre d'accord dans le verdict d'un jugement sans avoir les mêmes sentiments. Le point 4, la personne qui ressent, pour traduire feels d'une certaine manière et qui ne peut d'aucune manière faire en sorte à présent qu'elle ressente autrement, peut cependant être convaincue qu'elle a tort de ressentir ainsi et faire une concession au jugement qui s'oppose à ce qu'elle ressent. Je pleure de manière stupide devant cette série de télé dont je sais qu'elle ne fait pleurer que les imbéciles. Je le regrette, mais c'est comme ça. Et je sais que je ne devrais pas pleurer, mais je ne peux pas m'en empêcher, pour prendre un cas extrême. Et donc, c'est tout à fait explicitement hein, que Reed a envisagé une dynamique du goût. Point 5, voilà une différence remarquable entre sentiment et opinion. Personne ne peut s'en tenir à une opinion dès l'instant où il découvre qu'elle est fausse. Donc là, en fait, pour dire ça, Gerard fait l'impasse. Il évacue toute considération sur le problème de l'opiniâtreté des opinions, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a des préjugés qui sont fortement ancrés. Et ce qu'il dit sur la révision immédiate des opinions, évidemment contestable. Mais même si on le conteste, ça ne veut pas dire qu'il a tort sur l'écart de dynamique entre les opinions et les sentiments. Je poursuis, mais on peut clairement percevoir qu'un sentiment est faux et néanmoins trouver impossible pendant longtemps de s'en départir. Et donc voici sa solution finalement auprès de la règle du goût, qui est une solution purement psychologique. Les hommes qui sont affectés de manière différente peuvent cependant juger de manière semblable et deux hommes qui ont des jugements différents peuvent s'accorder sur certains principes communs qui servent de pierre de touche à leur jugement. Donc la pierre de touche est jugement. Elle est à chercher du côté de principe commun, mais elle n'empêche pas la diversité des sentiments. Par conséquent, le recours à des raisons joue un grand rôle. Hein, lorsque nos jugements et l'explication devant autrui par des raisons, l'explication de son, comment dire, de son jugement par des raisons. Lorsque notre jugement se trouve mis en question dans un cas particulier, nous estimons qu'il est toujours légitime de l'étayer par des raisons. Et nos raisons sont toujours déduites de principes plus ou moins généraux. Ce sont des principes des arts dont nous reconnaissons tacitement l'autorité, de préférence au simple sentiment, en y ayant recours. Donc, en fait, les raisons qui justifient nos jugements, la partie jugement de nos évaluations esthétiques, en fait, la partie cognitive, ces raisons, elles sont empruntées aux principes des arts. Ce point est remarquable, c'est vraiment très important, et ça rejoint d'ailleurs la solution de Hume hein, dans la règle du goût. Parce que, ça, comment dire, pour la seule façon d'éviter, en tout cas une façon convaincante d'éviter un cercle fameux dans la théorie des juges experts, ben justement, c'est de faire intervenir le goût des artistes eux-mêmes, c'est-à-dire la technicité de l'art comme ce qui fournit au jugement évaluatif des non-artistes des raisons. C'est comme ça que ces auteurs se sortent de cette difficulté. Donc, si on avait plus de temps, j'essaierai de poursuivre ces considérations par une comparaison avec le problème que constitue le projet d'un sentimentalisme raisonnable appliqué aux évaluations esthétiques, c'est-à-dire une épistémologie des évaluations esthétiques qui tiendrait ensemble. Le rôle constitutif de certains états affectifs, certaines émotions, certains sentiments, d'une part, et d'autre part, la capacité à justifier le goût par des raisons. Si on avait le temps également, il faudrait compléter cet exposé en précisant ce qui fournit ces raisons, en fait. Qu'est-ce qui fournit ces raisons? Alors, ce que j'ai défendu dans ma lecture de Hume, c'est que pour Hume, ces raisons sont fournies non pas par des valeurs, mais par des propriétés structurelles, fonctionnelles des œuvres d'art.
Et je crois qu'il en va de même pour Gerard. Les raisons sont empruntées à quelque chose qui ne peut être apprécié qu'à travers une expertise technique. Il y a d'autres aspects fascinants de la théorie de Gerard dont j'essaie de parler dans le livre. J'en dis juste un mot. Gerard conteste la pertinence de la question de l'universalité du goût à entendre comme un sens commun ou une homogénéité au fond, ou une convergence des goûts. Pour lui, ce qui compte, c'est la dynamique dont j'ai parlé, la dynamique psychologique. Et cette dynamique, elle est, d'un point de vue normatif, en fait, ce qui fait qu'un goût est meilleur qu'un autre, c'est qu'elle, ça répond à des qualités techniques des artefacts. Et donc, il soutient que, il critique Hume pour avoir cru qu'il parlait du goût des êtres humains alors qu'il parlait du goût européen et pour avoir ignoré le problème et l'intérêt que constituaient les chefs-d'œuvre des arts en Asie. Et Gerard réfléchit beaucoup à ce problème. Comment peut-on, comment dire, élaborer une théorie esthétique qui rende compte de la perfection du propre des arts exotiques, des arts étrangers. Et donc, ce qui l'a intéressé, c'était justement la manière dont nos sentiments, nos réponses affectives pouvaient évoluer, évidemment lentement, en fonction de notre culture artistique, notre culture technique, qui pouvait s'enrichir, comment dire, alors ce qui veut dire que très concrètement, avec l'exemple des arts asiatiques, selon Gérard, on ne peut pas les apprécier immédiatement, on ne peut pas les goûter correctement de manière immédiate. Il y a tout un travail d'information, d'appropriation, de culture, de comparaison à faire. Et cette question-là est plus importante pour lui que celle du sens commun esthétique. Bon, je m'excuse si mon exposé est parti un peu dans toutes les directions, mais j'espère avoir au moins donné un aperçu des questions qui sont abordées dans le livre. Merci infiniment, Laurent. C'était au contraire vraiment fascinant. Et du coup, tu nous as permis de partir dans plusieurs directions, mais toutes fascinantes. N'hésitez pas à lever vos mains pour poser des questions. Et n'hésitez pas évidemment non plus à poser des questions dans le chat. Mais on attend. Je peux pas. Dis quelque chose de plus au sujet de cette histoire de. Du sentimentalisme rationnel dans les contextes esthétiques, s'il te plaît. Parce qu'on connaît très bien cette tendance au sein de la philosophie morale. Je me suis demandé quels sont les auteurs que tu as à l'esprit et est-ce que les enjeux sont similaires ou pas? Alors, pour ce qui concerne le sentimentalisme raisonnable, moi, ce que je connais du débat, c'est le débat dans la philosophie morale, hein, dans la métaéthique contemporaine, avec notamment le projet de Darmes et Jacobson. Je ne connais pas l'usage qui est fait dans les théories esthétiques de ce projet de sentimentalisme raisonnable. Donc, cette histoire de sentimentalisme raisonnable, c'est une remise au goût du jour de l'idée sentimentaliste à la Hume, mais complètement changée, à mon sens, hein, par le simple fait que on s'appuie sur la conception selon laquelle il y a des conditions de correction des émotions. Et donc, une émotion peut être, ou un sentiment peut être approprié ou inapproprié comment dire, en réponse ou par rapport à son objet, ou d'une autre manière, puisque cette question est controversée. Et d'ailleurs, cette question de l'appropriation, d'ailleurs, concerne aussi, enfin, ce n'est pas une affaire de tout ou rien, parce qu'un sentiment ou une émotion peut être plus ou moins approprié. Donc, il y a aussi des questions de degré. Donc, ce que ces auteurs ont fait dans le domaine de la théorie morale, c'est de reprendre le projet sentimentaliste, mais de le rapprocher de ce qu'on faisait dans une tradition plutôt cognitiviste, en introduisant
un cadre conceptuel qui permet de rendre compte de la façon dont des sentiments peuvent être plus ou moins raisonnables, plus ou moins pertinents, plus ou moins appropriés. Très bien. Alors, il me semble que ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans Hume. Pour moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans un autre projet sur le sentimentalisme. En fait, du point de vue des théories sentimentalistes de Hume et d'Adam Smith, c'est presque un non-sentimentalisme, parce que justement, le rôle que jouent les raisons dans cette théorie est assez peu compatible avec les thèses sentimentalistes classiques. En revanche, il y a une façon de lire Thomas Reed, et surtout, il y a cette théorie esthétique d'Alexander Gerrard, qui, à mon sens, constitue déjà un début de ce programme de sentimentalisme raisonnable. Voilà ce que je peux dire. C'est super parce qu'effectivement, ça nous. J'aurais sans doute voulu explorer aussi, mais on va y revenir tout à l'heure, à la question justement de cette gradualité qui est absolument fascinante, qui nous permet de quitter quelques. En fait, de passer à côté des plusieurs faux problèmes. Donc, c'est vraiment très, très éclairant. Merci beaucoup. Alexis, Anne Braun, vous avez une question. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Et je me suis permis de mettre la caméra pour poser la question. Merci beaucoup, Laurent Jaffraud, pour votre exposé. J'avais une question justement qui rebondit un peu sur la précision que demandait Anna Zinska à propos du sentimentalisme raisonnable. Et j'étais interpellé dans votre exposé quand vous disiez à propos de Thomas Reed justement qu'il reprochait à Hume une forme de subjectivisme concernant les jugements de goût, et je me disais aussi que c'était un reproche qu'on lui faisait fréquemment aussi en morale, puisqu'il a souvent été interprété, notamment dans les débats méta-éthiques contemporains, comme un partisan du non-cognitivisme en éthique ou d'une forme d'émotivisme, alors qu'en fait on trouve assez peu dans ses textes la présence réellement d'une forme d'émotivisme pur, et que chez lui le sentiment moral est quand même toujours lié à la raison, ou à une forme d'usage de la raison. Et c'est exactement ce qui est aussi à l'œuvre, je trouve, dans ce texte sur la norme du goût. Mais je me demandais pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'experts en esthétique et pas en morale. Et s'il y a des experts, du coup, des juges experts en morale, qui sont-ils? Et je me demandais, donc ça c'est une première question. Et la deuxième question, si la réponse est négative, si donc il n'y a pas d'expert en morale, pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin spécialement en esthétique, alors qu'on n'en a pas besoin pour ce qui concerne les sentiments moraux? Merci beaucoup. Je me suis posé la même question que vous. Et c'est une question dont j'avais beaucoup parlé avec un collègue qui est un excellent, qui est un spécialiste de Hume, Dario Perinetti à Montréal. Qui s'intéresse à ce problème aussi. En fait, il y a une réponse qui me paraît plausible, c'est que, bon, certes, dans la théorie humienne, toute évaluation, pour être pertinente, c'est à faire degré d'ailleurs, suppose un point de vue approprié. Mais il y a une énorme différence entre le domaine esthétique et le domaine moral ou prudentiel. C'est que dans le domaine esthétique, et Hume parle généralement, enfin, il y a plusieurs types de beauté dans le traité, hein, mais dans la règle du goût, il est question de la beauté des œuvres d'art et surtout des œuvres littéraires. Hein. Donc, ce qui est caractéristique dans le domaine esthétique, c'est que c'est chaque œuvre qui appelle un point de vue approprié particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un unique ou un point de vue approprié commun, en fait, à l'évaluation d'œuvres diverses. Par exemple, le point de vue approprié pour apprécier Zazie dans le métro de Queneau ou un pastiche d'une œuvre littéraire quelconque est beaucoup plus déterminé d'un point de vue humien que le point de vue approprié pour apprécier un classique comme Homère. En tout cas, c'est ce que croit Hume. C'est ce que croit Hume. Il pense que, en fait, Homère traverse les siècles, tout le monde l'aime, etc. Et le comprend et l'adore. Bon.
En d'autres termes, il y a une singularité de l'œuvre d'art qui détermine, effectivement dire, qui entraîne une singularité relative du point de vue approprié. Et ce n'est pas le cas dans les évaluations morales pour Hume. En fait, les évaluations morales supposent une capacité à se placer dans un point de vue approprié. On le fait au moyen de nos facultés ordinaires et sans grande difficulté, en fait. Alors après, pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence? Ben, on pourrait l'expliquer par le fait qu'il y a des créations singulières d'un côté et de l'autre, il y a des situations sociales, interpersonnelles, standards, en fait. Par exemple, Hume prend toujours le même exemple, l'envie que suscite un magnifique jardin dont je, comment dire, dans lequel je vois des personnes que j'imagine en être les possesseurs ou les propriétaires se promener. C'est comme ça que je répondrai à votre question. Une réponse assez intuitive, effectivement. Merci beaucoup. Cher Roger Puvet, c'est à toi. Oui, voilà, je voudrais savoir, quand Laurent, tu parles de tout cela chez Hume, chez Reed ou chez Gerard, est-ce qu'il s'agit de dire ce qu'ils disent ou est-ce qu'il s'agit véritablement de poser le problème pour lui-même? C'est-à-dire, quel est le statut exactement à la fois de ton livre et de ce que tu nous dis ce soir? Parce que l'idée que l'attribution des propriétés esthétiques serait une affaire strictement épistémologique et non métaphysique, enfin, ça s'appelle l'idéalisme, enfin, simplement, quoi. Donc, et l'idée que la psychologie serait la métaphysique, c'est l'idéalisme, si ce n'est l'antiréalisme. Donc, que l'esthétique britannique du 18e ait été idéaliste, ça ne fait pas de doute. Maintenant, il s'agit de savoir si la solution des problèmes esthétiques doit être idéaliste. Ce qui est une autre question. Donc, ce qui m'intéresse, c'est moi, j'interprète cet idéalisme de l'esthétique britannique du 18e siècle comme comme une catastrophe pour l'esthétique, voire l'esthétique étant une catastrophe. Enfin, l'esthétique a été une catastrophe pour la compréhension de ce que c'est que d'apprécier des œuvres. Et ce que c'est d'attribuer des propriétés esthétiques. Mais voilà, donc c'est ça la question que je pose. C'est-à-dire, est-ce que tu adhères complètement à cette perspective-là, ou est-ce que tu la présentes comme étant la perspective qui a été adoptée à un certain moment, à un certain endroit, ou est-ce que c'est la perspective d'avenir justement parce qu'elle est susceptible de donner un statut au sentimentalisme rationnel? Voilà. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? Merci beaucoup, Roger. Donc, pour le premier, pour prendre les choses dans le même ordre dans lequel tu les as prises, dans une conversation philosophique entre nous, comme avec Hume ou d'autres, afin de savoir ce qu'il faut penser effectivement d'un problème, dans la mesure où nous en discutons, il est très important de commencer par essayer de comprendre ce que tu dis, ce que dit Hume, etc. Donc pour moi, c'est une condition nécessaire, évidemment, de faire un travail historique minimal, de la même façon que c'est une condition nécessaire d'une discussion que de faire l'effort de comprendre ce que dit autrui. Mais le but n'est pas là, ça c'est un moyen. Le but, c'est de savoir effectivement ce qu'il faut penser du problème. Or, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est d'exposer, alors je m'y prends, évidemment, comme je brasse beaucoup d'auteurs, je le fais à plusieurs reprises, hein, ce n'est pas un exposé continu, de construire une position que je pense être correcte du point de vue de l'épistémologie des évaluations esthétiques, et dont j'essaie de montrer simultanément qu'elle est commune, qu'elle est adoptée
par plusieurs des protagonistes de mon histoire et qu'elle les rend communes malgré leur dénégation. Et cette position qui est commune, qu'on peut défendre à partir de cette lecture de Hume, de Reed et de Gerard, c'est une position qui est tout à fait différente justement de l'idéalisme dont tu parles. Pour la raison suivante, c'est que dans cette conception des évaluations esthétiques, la considération des raisons joue un rôle beaucoup plus important que dans la théorie que tu dis idéaliste, qui est une façon de lire Hume, en fait. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est que l'objectif, la dimension objective de l'expérience esthétique, ces auteurs en rendent compte par des considérations qui sont essentiellement tournées vers les propriétés artistiques des œuvres. C'est ce que je défends. Alors, dans Hume, ça marche bien pour le commentaire de l'essai sur la règle du goût, où effectivement, il est beaucoup question de propriétés de la construction même des textes littéraires. Et ce sont ces propriétés qui fournissent les raisons de l'appréciation. Ça marche aussi très bien pour Gerard. Dans Reed, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a... Alors pour moi, c'est un vice de l'esthétique théorique de l'époque qui est tout aussi grave au fond que ce que tu appelles l'idéalisme, à savoir la confusion entre deux problèmes, le problème de l'évaluation des œuvres d'art et le problème des émotions suscitées par le spectacle de la nature. Ça, c'est une chose qui complique beaucoup les choses et qui est présente chez Hutcheson et chez Reed, en fait. Donc, pour te répondre, oui, je défends cette forme de sentimentalisme raisonnable appliquée à l'évaluation esthétique. Alors là ça, c'est pas idéaliste, ça. Tout simplement, enfin, si on entend par idéalisme ce que tu as décrit, qui est simplement le subjectivisme ou le sentimentalisme humain. On pourrait très très bien être objectiviste et idéaliste à la fois. C'est même une position tout à fait, je dirais, raisonnable pour un idéaliste s'il ne veut pas être un subjectivisme et un relativiste total, que d'adopter, je pense, c'est ce que fait, à mon sens, Hume dans La règle du goût, adopter une position dans laquelle l'idéalisme, un idéalisme conséquent, est objectiviste. C'est-à-dire, il y a des raisons qui nous sont communes et oui, qui repose sur, à ce moment-là, notre bon fonctionnement même de nos organes de perception, notre intelligence, je dirais, notre capacité rationnelle, mais aussi une bonne éducation, qui compte pas mal chez Hume, me semble-t-il. Et tout cela vous donne des raisons objectives, partageables, tout en vous maintenant dans un idéalisme qui consiste à dire que les propriétés esthétiques et les propriétés, qu'elles soient celles des œuvres d'art ou celles de la nature, ne sont pas réelles. C'est-à-dire ne sont pas dans les choses mêmes auxquelles on les attribue. Si je puis te poser une question à mon tour, il me semble que l'objet du débat entre nous, c'est la question de savoir si ce sont les valeurs qui sont réelles, en fait, ou si ce sont des faits qui fournissent les raisons qui sont réelles, ces faits pouvant ne pas être des valeurs, mais par exemple des propriétés artistiques. Donc en fait, ma question est la suivante: est-ce que pour toi, une approche métaphysique suppose nécessairement qu'on défende la réalité des valeurs? Est-ce qu'on en a fini avec la métaphysique réaliste si on substitue à ça quelque chose comme une conception relais qui placerait au principe des raisons, des faits qui ne sont pas nécessairement des valeurs? Oui, on en aurait fini. Tu penses qu'on en aurait fini?
Mais pas avec l'objectivité, pourtant. Non, pas avec l'objectivité. Parce qu'une position non réaliste, mais objectiviste, me semble, je dirais, possible intellectuellement. Je la crois discutable, mais elle n'est pas absurde du tout. Mais elle me semble présupposer une forme d'idéalisme constructif, c'est-à-dire à partir d'éléments qui sont ceux de la perception, et, bon, quelque chose qui est très très commun dans la philosophie anglaise, je dirais, depuis toujours, quoi. Mm-hmm. Et qu'on retrouve encore à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, chez Moore, chez Jean. Mm-hmm. Donc, l'idée qu'à partir de perception, on pourrait élaborer quelque chose qui serait effectivement objectivement des valeurs objectives qu'on attribue aujourd'hui. Oui. Mais ça serait différent d'une métaphysique réaliste qui dit il y a de la beauté dans le monde. Mm-hmm. Et même il y a du comique dans le monde, pour reprendre ton exemple. Et il me semble que, à la fois dans ton livre, dans ce que tu as dit, mais c'est parfaitement possible de faire ça, tu te situes immédiatement à l'intérieur de cette perspective-là, de cette perspective où on a abandonné totalement la perspective, enfin un projet métaphysique. Oui, oui. En même temps, j'avais le sentiment de contester le caractère purement psychologique de l'approche de l'esthétique anglo-écossaise, en fait, hein. Parce que j'essaie de montrer que la critique repose sur la fréquentation des œuvres d'art. Et le problème de la règle du goût est posé de ce point de vue-là, en fait, et résolu de ce point de vue-là aussi. Oui, mais là, ça serait une position cognitiviste. Oui, cognitiviste, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est ça. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait une discipline du goût qui serait objectiviste, au fond, mais sans métaphysique. Oui, sans métaphysique de la valeur. Oui. Ça me semble être une position c'est la position, à mon sens, aujourd'hui, dominante, par exemple, chez les gens qui pensent qu'il faut traiter des problèmes d'esthétique en termes de sciences cognitives. Forcément, pour eux, c'est une position tout à fait acceptable. Ils vont pouvoir rendre compte d'attributions de propriétés en les explicitant dans notre rapport, je dirais, matériel à la réalité et toutes les élaborations qu'on peut faire à partir de là. C'est aussi une position qui a été très défendue dans l'esthétique française de la fin du 19e aussi et du début du 20e siècle. Mais les cognitivismes, pardon d'entrer dans la discussion, mais les sciences cognitives, ou en tout cas la cible que tu as à l'esprit, j'ai l'impression, Roger, eux, ils font par exemple une distinction assez radicale, notamment entre les émotions, la rationalité, etc., etc. Donc toutes les choses que Laurent évite. Donc il y a déjà ça qui change. Donc chez Laurent, il y a dans ce qu'il propose, il y a une exigence clair par rapport à la réalité qui est là, la réalité des faits, et non pas effectivement la métaphysique des valeurs. Et là, je dois dire que je constate avec un immense plaisir que Laurence, après avoir séjourné dans la tradition du good en Angleterre, semble s'approcher de la rectitude, de rightness. Tu te retrouves avec toute l'épistémologie que moi j'utilise en philosophie morale, donc je jubile. Je suis contente que tu sois contente. D'accord. Donc là, on est juste au niveau des émotions. Non, mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est tout à fait ça. Oui. On a eu une question sur le chat à laquelle tu as répondu sur le chat. Donc peut-être essayons d'y jeter un coup d'œil. Est-ce que cela revient à une conception de type expérientialiste comme celle de Tapollet, où les propriétés axiologiques rendent l'émotion appropriée, et Laurent Jaffrot dit que pas nécessairement en raison du rôle que joue le réalisme des valeurs dans la position de Tapollet, il me semble. Et ensuite Olivier nous dit, mais les sciences cognitives n'évaluent que les déterminismes fonctionnels, non l'objet qui motive les réactions cognitives. Oui. Alors ça, c'est très intéressant comme remarque, je trouve, hein.
Est-ce que l'auteur veut en dire plus? Olivier, est-ce que vous pourriez vous démuter et en dire davantage? Je crois que... Il n'a pas de micro. Bon, tant pis pour nous. On aimerait en savoir plus sur ce point, en fait. Bon, en tout cas, le point est tout à fait intéressant. Mais oui, je pense qu'il y a ces grands problèmes dans les sciences cognitives, qui est celui que l'existence ou non de l'objet est finalement accessoire, dans la mesure où ce qui nous intéresse, c'est nos réactions type, effectivement, déterministe un peu, à ça, quoi. Moi, j'y vois, donc, en attendant ce que Olivier va nous dire, moi, j'y vois aussi c'est sur ce terrain qu'on rencontre notamment l'ambiguïté de la notion d'intuition en français et en anglais. Ou l'intuition en anglais philosophique de l'époque qui nous intéresse, c'est une faculté rationnelle, bien qu'immédiate, justement, donc aussi immédiate que l'émotion aveugle, mais tout à fait rationnelle, car puisant dans les ressources de la raison, d'une part, l'intuition aujourd'hui, ça veut dire j'ai une intuition comme quoi il va faire beau demain ou que le Covid va se terminer d'ici 3 semaines. Ce qui n'est absolument pas justifié, c'est juste une intuition bête que les chercheurs vont étudier en fonction de ce qui se passe dans mon cerveau à un moment où je l'énonce. Donc, je pense que nous évitons ça quand même. Merci. Si je peux revenir à ce que disait Olivier donc sur la question sur... ce qu'il disait des sciences cognitives, j'aurais juste signalé qu'il y a une thèse qui a été soutenue à l'EHESS par Ankuta Mortu, sous la direction, sauf erreur, de Jean-Marie Schaeffer, qui tient ensemble l'histoire de la théorie esthétique dans la tradition dont je parle et le tournant cognitif dans l'esthétique contemporaine. Donc c'est très intéressant, c'est un travail que je cite dans mon livre, parce qu'effectivement, ce qu'on appelle le tournant cognitif dans l'esthétique, c'est pas étranger aux approches dont j'ai parlé aujourd'hui. Ça ne répond pas directement à la question d'Olivier, mais en tout cas, il y a un rapport. Si je peux me permettre, il faudrait plutôt dire tournant cognitiviste que tournant cognitif, parce que le tournant cognitif, c'est Goodman, quoi. C'est dans les années 80, et c'est absolument non idéaliste. C'est irréaliste, mais pas idéaliste. Donc il y a une ambiguïté là qu'il faudrait lever, que je trouve souvent où on passe de cognitif à cognitiviste. Merci. Ou plutôt, on dit cognitif pour dire cognitiviste. Oui, ça, c'est évidemment un problème. Très bien. Dites-nous si vous avez d'autres... Roger, d'ailleurs, si je veux rebondir sur tout ce qui a été dit à propos de ce dialogue entre la rectitude et la recherche de valeur, n'hésite pas. Parce que moi, je voudrais éventuellement te poser une question un peu naïve, mais j'ai honte devant les gens qui s'y connaissent en esthétique. Pardon, moi, je vois l'art comme un instrument politique des discussions et de l'influence. Donc, je me suis posé la question de savoir quelle est la place de ces... comment, avec tes outils, tu vas envisager la question, par exemple, de l'intention de l'auteur, tout simplement. Parce qu'il y a cette réalité dont tu nous dis chez Hume, chez d'autres, la réalité physique de l'artefact, très bien, donc là, il y a quelque chose de réel. Comment on se situe par rapport à la réalité de l'intention? Merci. Je ne sais pas si je peux répondre de but en blanc. Alors, d'un point de vue simplement historique, la question de l'intention de l'auteur, du projet du créateur, elle est un petit peu présente dans le livre, précisément parce que j'ai besoin de parler du goût des artistes, que j'appelle le goût artiste. Mais ce n'est pas au centre du livre, tout simplement parce que la question du génie appellerait un traitement spécifique, en fait, tout à fait. Enfin, il faudrait pouvoir développer. Donc, c'est quelque chose qui est un peu présent dans le livre, mais qui n'est pas développé.
alors que c'est important, puisque comme je le suggérais tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de savoir comment on arbitre les goûts, il n'y a pas seulement la question des raisons que donne la structure, les structures des objets, il y a aussi les considérations relatives à l'intention des créateurs ou au projet des créateurs, parce que ce projet, dans la plupart de ces théories, évidemment, sinon dans toutes, est supposé être intelligent. Alors, peut-être pas chez Hume, peut-être que Hume est une exception de ce point de vue-là. Mais bon, là, je ne vais pas développer ce point, je me lancerai dans une grande simplification, sinon. Donc, je me borne à une réponse purement historique, il faudrait que je réfléchisse sur le fond à la chose, en fait. Merci, en tout cas. Merci pour la réponse. C'est déjà, de toute façon, une piste pour Marc pour réfléchir. En attendant d'autres remarques, n'hésitez pas, hein, c'est parce que sinon ça va être une conversation qui va être monopolisée par mes obsessions. Donc je vous invite vivement à glisser les vôtres. Mais moi, la question que je me pose aussi, c'est celle de l'erreur dans le jugement esthétique. J'ai l'impression que, par exemple, dans les contextes de jugements moraux, à cette époque, mais même souvent aujourd'hui, le fait qu'on puisse se tromper ou qu'on puisse être en désaccord, ça a tendance à invalider complètement la théorie que tu proposes. Que quiconque propose, n'importe quelle théorie, on montre un contre-exemple, on a l'impression que l'existence des désaccords ou des erreurs de jugement, ça invalide complètement cette théorie. Qu'en est-il dans le... Pourquoi ? Pardon ? Pourquoi ? Enfin, quelle théorie est à valider ? Par exemple, si tout simplement, si on dit que grâce à... Là, je caricature, mais si on dit que grâce à nos... déontologisme, qui n'est de toute évidence pas ma théorie, on va dire que le déontologisme peut, dans certaines circonstances, te mener à accepter, par exemple, de dénoncer les juifs qui se cachent dans la cave. Et ça veut dire, cela fait que le déontologisme est définitivement réfuté parce qu'on a des contre-exemples. Des erreurs de jugement possibles. Pareil, on peut avoir, par exemple, une réaction émotive, si on a envie de défendre l'émotivisme, quelqu'un peut dire, tu peux avoir des réactions émotives complètement à côté de la plaque, donc l'émotivisme ne peut pas marcher. On a cette tendance, justement. Et moi, j'ai l'impression que toi, avec ton auteur que j'ignorais évidemment, avec Alexander Gérard, tu autorises une espèce de souplesse et tu laisses une grande place à l'hésitation, l'erreur et justement une espèce d'épistémologie finalement assez souple, ce qui te rend, hélas, particulariste. Hein. Ah oui, bien sûr. En fait, d'un point de vue tel que celui de Gérard, il y a deux ingrédients, il y a le sentiment et le jugement. Hein. Du point de vue des sentiments, si on s'en tient au seul sentiment, on ne peut pas rendre compte des désaccords. Il n'y a pas à proprement parler de désaccord entre deux sentiments, si on a une conception purement affective de ces sentiments. Ces sentiments sont différents, mais ils ne sont pas en désaccord par eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas à propos de la même chose de toute façon. Mais en revanche, dans la mesure où les sentiments répondent à des raisons, dans leur association au jugement, on peut rendre compte des désaccords. En fait, les désaccords sont en quelque sorte rationalisés. Donc, moi, il me semble que cette forme de sentimentalisme raisonnable est capable de rendre correctement compte du fait des désaccords évaluatifs radicaux. Très bien. Non, ça c'est très intéressant, mais n'empêche qu'un auteur comme Ayer aurait dit que les désaccords sont explicitables jusqu'à un certain moment, mais quand même, les émotions restent complètement incompatibles au fond. Si tu veux. Je laisserai tout de suite Céline poser sa question sur la nature, évidemment, qui est tout à fait intéressante. Mais est-ce qu'un accord pourrait être possible grâce à l'explication rationnelle ou est-ce que les sentiments sont maniables? Mais c'est ça ma question finalement, deuxième étape. Est-ce qu'il y a une effectivité
oui, est-ce que la raison est capable de modifier les sentiments? Tout comme, là, je fais allusion évidemment à toutes les théories du genre Antonio Damasio, qui évidemment a avancé avec William James par ailleurs, cette idée selon laquelle effectivement nos connaissances influencent nos émotions. Et à ce titre, il y a une communication tout à fait envisageable entre deux. Est-ce que tu gardes cette idée, t'as cette idée? La révision des sentiments peut répondre à des considérations de raison, hein. D'accord. Simplement, elle n'a pas le même, c'est pas la même dynamique que la révision des opinions. Donc, comment dire, la thèse de Hume à ce sujet est quand même simpliste, hein. Hume, pour soutenir une telle thèse, est contraint de présenter les états affectifs comme n'ayant par eux-mêmes aucun contenu intentionnel. Ils ont un contenu intentionnel uniquement par l'intermédiaire de l'association des idées. Mais ça, c'est très peu convaincant. Comment peut-on soutenir que la peur n'est pas intrinsèquement liée à la représentation d'un danger? Elle a manifestement un objet intentionnel. Donc, si on a des raisons d'avoir peur qui sont liées à cette représentation d'un danger, il est bien clair que l'examen des raisons, la considération des raisons, peut avoir une incidence sur les sentiments. Oui, mais donc voilà, ça c'est un avancement justement qui annonce les théories telles que celle de William James des émotions ou ensuite celle d'Antonio Damasio. Céline, oui. Vous voulez bien allumer votre micro éventuellement? Oui, bonjour, merci. Merci beaucoup pour cette passionnante conférence. J'avais juste une question sur quelque chose qui n'arrête pas de revenir sur à propos de ces textes. Du 18e, donc vous dites que ces raisons, elles peuvent être appréciées par une expertise technique, donc qui s'appuierait sur l'analyse des caractéristiques des œuvres d'art. Mais alors quand on est devant une explosion de volcan, quand on est devant un fleuve qui se déverse, quand on est devant les grands spectacles de la nature, sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour expertiser le jugement? Et en sachant qu'en plus, il y a une ambiguïté dans la plupart des textes du 18e, enfin moi j'avais surtout étudié Hutcheson, c'est que les exemples qui sont fournis sont des exemples poétiques qui expriment des sentiments devant la nature. Voilà. Et c'est un petit peu comme à la fin du traité du sublime de Longin, on ne sait plus tellement, c'est quand même pas la même chose d'éprouver le sublime devant, je ne sais pas, un fleuve qui déborde, et d'éprouver le sublime devant le récit de Lucrèce qui raconte une catastrophe naturelle. Et donc là, enfin pour moi, c'est un problème général sur ces textes. Voilà, c'est pas du tout l'objet de votre propos, mais je voulais savoir quelle était la place qui était réservée à la nature dans les raisons, dans le jugement, et disons que aussi, comment dire, la question de l'objet sur lequel porte le jugement est-elle si importante que cela? Voilà, excusez-moi, c'est très confus, mais... Pas du tout. C'est absolument pas confus, c'est très important. Ça m'a beaucoup frappé en travaillant à la rédaction de ce livre. Ce fait qu'il y a, en fond, deux types de théories, de ce point de vue-là, hein. Des théories qui relèvent pleinement de la critique, c'est-à-dire qui sont centrés sur l'art, et notamment la poésie, le théâtre. C'est le cas notamment chez Addison, qui est un auteur auquel je donne beaucoup d'importance au début du livre, en fait, parce qu'il fixe un peu les cadres de la discussion. C'est le cas dans le Hume de la règle du goût, spécifiquement, mais il y a d'autres choses en Hume qui vont pas dans ce sens-là. Gerard également. Et puis, il y a un autre genre de théorie
qui considère le cas de la beauté de la nature ou de la grandeur de la nature, ce genre de choses, il y a plusieurs catégories esthétiques évidemment, comme étant aussi paradigmatique que le cas des beaux-arts en fait. Et ça, c'est Hutcheson, c'est aussi Reed. Bon, et on se demande comment on peut tenir les deux ensemble. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Dans le livre, j'utilise une distinction qui a été faite par un éditeur et spécialiste de Burke, Edmund Burke, entre l'approche sensationniste et l'approche associationniste. L'associationniste, c'est une théorie de l'imagination, du rôle de l'association des idées comme étant un rôle pas seulement perturbateur, mais également constitutif du goût. Et puis le sensationnisme, c'est une théorie, une façon, une sorte de métaphore, ça consiste à traiter le goût comme l'analogue d'un registre sensoriel externe. Enfin, c'est un sens interne, ou c'est une sorte de sens interne. Bon. Ce qui est remarquable, c'est que les théories sensationnistes, comme celle de Hutcheson, c'est une façon de le lire, évidemment, sont conduites à s'intéresser aux expériences esthétiques qu'elles émanent du spectacle de la nature ou de la fréquentation des œuvres d'art de manière indifférente. Alors, dans Hutcheson, les œuvres d'art sont très, très absentes quand même. C'est surtout des expériences sensibles, en fait, dont les objets n'apportent pas tant que ça, en réalité. Donc, je pense qu'il y a un rapport entre les deux choses, entre les deux distinctions. Vous voyez, je pense que lorsque on essaie de résoudre le problème des évaluations esthétiques en termes de sens, senses, on développe une approche purement psychologique qui perd de vue le projet critique. Bon, après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la beauté de la nature. Il y a plusieurs façons d'en rendre compte. C'est pas seulement une beauté des formes. Il y a aussi chez certains auteurs, pas seulement de cette époque-là, mais c'est quelque chose qui est encore présent au XIXe siècle, au XXe siècle, et même certains y croient aujourd'hui encore. La beauté de la nature, c'est la beauté de l'esprit, en fait, pour certains. C'est pas simplement la beauté des formes. Je ne réponds pas vraiment à votre question, je dis juste qu'elle est extrêmement pertinente, simplement. Merci beaucoup pour... Mais c'est vrai que ça complique énormément les choses, en fait. On se demande si le sujet est unifié. Merci beaucoup, merci. Merci infiniment pour votre question et pour la réponse.